Rire et Chanson, le top de l'actu. Et c'est le top de l'actu d'Edgar Rive. Bonjour Edgar. Bonjour Bruno. Alors, tu as manifesté avec les gilets jaunes, toi? Alors non, pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que j'en ai rien à foutre. Écoutez, gueulez si vous voulez, mais Jésus me regarde et je dois dire la vérité. Alléluia. Et la deuxième raison, c'est que moi, je n'ai pas de voiture, en fait, les amis. Oui, et alors? Et alors, je refuse de manifester pour ou avec des gens qui ont un pouvoir d'achat supérieur au mien, quand même. Ça va pas, non? Moi, à chaque fois que j'ai fait du stop ivre-mort pour rentrer chez moi, personne ne s'est jamais arrêté. Tout ça parce que je me mets systématiquement nu quand j'ai bu. Alors, chacun sa merde, maintenant, hein. Et puis je te rappelle quand même qu'on est toujours sous la menace terroriste. Et si à la base manifester c'est une forme de liberté, en état d'urgence, pour moi ça revient à allumer les terroristes. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'ils le font assez bien eux-mêmes, quoi. Donc ce sont clairement des petites chaudasses, ces gilets jaunes. Wouh! Regardez comme on est nombreux, ouh, au même endroit en plus, ouh, t'aimes ça quand je manifeste, hein mon cochon, ouh. C'est comme si ma petite sœur de 20 ans se promenait avec une mini-jupe dans le RERD, après 22h, faut le préciser, entre Saint-Denis et Sarcelles, et qu'elle s'écriait « Je n'ai pas de culotte, psychopathe vient toucher ma peau ». Bon ben je pense qu'elle aurait grandi d'un coup de rein sec celle-là. Pardon, je me suis un peu emballé. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur l'a dit lui-même, si l'État a déployé autant de policiers depuis le 17 novembre, c'est pour protéger les manifestants, Bruno. Ah bon? Oui. Du coup, 27 blessés. Heureusement qu'ils sont là. Hein. Je me suis rapproché de l'un d'entre eux qui s'était pris un tir de flashball dans les dents. Alors, je ne vais pas me moquer, mais en fait, le gars, quand il ferme la bouche, tu peux quand même lui mettre une merguez dedans. Puisque je vous dis que j'ai pas faim. Ouais, mais c'est rigolo, Stéphane. Bref, je lui dis, mais qu'est-ce qui vous a fait ça? Et là, il me répond, la police, putain. Ce à quoi j'ai répondu, écoute, moi, je connais la police, on peut leur faire confiance. S'ils t'ont fait ça, c'est sûrement pour te protéger. Non, et puis ce sont des fous les gilets jaunes aussi, les gars. Parlons deux secondes d'eux, je vais pas les casser, mais quand même, on parle de mecs qui se lèvent le matin et qui se disent « Bon, moi je fais 64 kilos. Allez, 64 kilos sans en comptant mon bonnet et mon gilet jaune. En face, une Toyota Prius de 2,5 tonnes. Ouais. Je peux le faire. Je mise sur moi. Et puis le français, déjà, il est confiant à la base. Mais alors, en voiture, laisse tomber. Hein. J'imagine les discussions. Monsieur, la route est bloquée. Non, elle n'est pas bloquée, non. Comment ça? C'est le gars qui appuie sur la pédale qui décide, en fait. Vous me menacez, là, c'est bien ça? Vous me menacez, monsieur? Oui. Tout à fait. Et j'ajoute que ma femme m'a demandé de ramener le repas ce midi et qu'il n'y a pas de vegan chez nous. Donc soit vous me laissez passer, soit je ramène du tartare. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Figurez-vous qu'il y a des vidéos là, et puis surtout, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Rire et Chanson, là.